Alors, voici le Tapissimo Quelradi, dis donc. Il est assez petit, donc ça c'est intéressant au niveau de la place. Il se compose des trois personnages de l'histoire. Le papy, ils ont tous une petite baguette. La mamie, la petite fille. Vous avez aussi le chat et enfin la souris. Au fur et à mesure de l'histoire, vous plantez les personnages dans la petite tablette qui est là. Donc il y a des petits trous pour pouvoir planter les bâtonnets. Voilà. Vous avez la souris qui peut aller dans son petit trou. Vous pouvez installer la maison au milieu du décor. Et enfin, l'acteur principal de ce Tapissimo, le radis qui se glisse dans une poche dont on peut faire sortir les feuilles au fur et à mesure et qu'on tire. Voilà. Un papy et une mamie ont un jardin si petit qu'ils n'ont pu y planter qu'une seule graine de radis. Le radis grandit, 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 si bien qu'un jour, ses feuilles dépassent la cheminée et empêchent le soleil de passer. Il faut l'arracher, dit le papy. Il attrape le radis, il tire, il tire, il tire. Ah, il peut toujours tirer, le radis reste bien accroché. Le papy appelle la mamie. La mamie tire le papy. Le papy tire le radis. Il tire, il tire, il tire. Ah, oh, ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La mamie appelle sa petite fille. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papy. Le papy tire le radis. Il tire, il tire. Oh là là, ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. La petite fille appelle le chat. Le chat tire la petite fille. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papy. Le papy tire le radis. Il tire, il tire, il tire. Ah, oh, ils peuvent toujours tirer. Le radis reste bien accroché. Le chat appelle la souris. La souris tire le chat. Le chat tire la petite fille. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papy. Le papy tire le radis. Il tire, il tire. Il tire et voici le radis arraché. Mais le radis tombe sur le papy tombe sur la mamie tombe sur la petite fille tombe sur le chat et tous tombent sur la souris qui va dans son trou en criant oui, 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 oui. Et l'histoire est finie.